je suis Simon, le batteur de Krakaus. C'est Gibus, chanteur-guitariste. Guillaume, le bassiste. C'est la soirée de notre release party en fait, donc voilà, on a enregistré récemment un EP, donc deux titres, et donc ce soir c'est la soirée où on va pouvoir le présenter officiellement, ça y est, c'est sorti, voilà. Il sort ce soir à Tours et officiellement le 13 février, mais bon, pour les copains de Tours, c'est ce soir, voilà. En première. We'll be right back.
L'EP, il permet de faire la transition avec l'ancienne formation Kerkaos qui était beaucoup plus stoner. Ouais. Plus, c'est un line-up différent. Avec le nouvel album qui va être plus lourd, plus sombre, plus prenant. Plus travaillé aussi. Ouais. Travaillé, ouais. Travaillé, plus recherché. Bah, en termes de recharge de son, là, on va dire que pour l'EP, on était plus dans une veine stoner doom, quoi. Donc on cherchait vraiment du gras, quoi. Quelque chose de gras, groovy, etc. Ça se ressent et ça se ressent tout simplement sur l'EP. Et après, là pour les choses à venir, on se concentre un peu plus sur quelque chose de plus organique. Plus sombre et voilà, quoi. Plus de mélodie, un côté un peu plus sludge que stoner. Pour l'EP là, on a quand même, on était quand même très influencé par toute la scène à la Dope Throne, à la Weed Eater, à Bongzilla, ce genre de choses là, Bong Reaper et tout ça. Donc c'était un peu l'esprit de l'EP. Et à savoir que c'est vrai qu'il y a une petite évolution là pour l'album qui est en train de se faire là, où on a été pioché dans des influences un peu plus doom, un peu plus sombre, donc voilà, avec des influences qui se trouvent plus dans des groupes comme Yob, comme Neurosis, ce genre de choses là, un peu Russian Circles aussi, un peu Black Cobra, voilà, ce genre d'état d'esprit là, un peu plus spirituel on va dire dans l'approche de la musique. Voilà. We'll be right back.
On a signé sur deux labels en fait, donc il y a Big Grand Records, donc qui est un label espagnol, voilà, qui nous fait une petite série là de CD, et aussi chez Ergonauta Records, donc qui est un label italien, donc voilà, qui est assez spécialisé dans le doom et le sludge, et ce genre de choses là. Donc voilà, on a eu la chance de pouvoir signer chez eux, donc voilà, pareil, qui vont pouvoir nous faire un peu de promotion et de production aussi à venir. Pour la release, vous êtes avec Greffel. Est-ce que vous avez un mot à dire sur... Bah, Greffel, tout simplement, ce sont des très bons copains à nous et c'est vraiment cool de pouvoir partager ça avec eux parce qu'ils excellent vraiment dans leur style. En tout cas, personnellement, c'est une musique que j'apprécie beaucoup. Et voilà quoi, c'est des gars géniaux quoi, ils sont cool, ils font du bon son quoi, donc nous ça nous va quoi. Exactement. Et puis après voilà, l'idée c'est voilà, si on peut partager quelques dates avec eux, ce serait chouette quoi. Ouais, donc voilà, c'était bien. Voilà, commencer un petit peu comme ça, doucement à la maison et puis on verra après. Et puis après, Eyes of the South, là, couvrir la soirée, c'est tout simplement des super potes à nous en fait. Donc voilà, c'est les copains, c'était l'occasion de pouvoir faire une date avec eux. Donc voilà, c'est nos potes de tous les jours, donc c'était chouette qu'ils puissent ouvrir le bal ce soir. On commence à avoir quelques dates là, qui se profilent là, donc on va pouvoir jouer un petit peu au mois d'avril. Donc là, c'est autour du 7-8 avril, c'est ça? Ouais, 7-8 avril. 7-8 avril, on devrait pouvoir jouer avec Love Sex Machine. Donc qui est quand même un groupe lillois, qui est un bon groupe de la scène Doom Sludge aussi. Donc voilà, qui a quand même sorti quelques albums qui ont été assez suivis, même à l'international. Hein, donc c'est super cool pour nous de pouvoir jouer avec eux. D'autant plus que le batteur, c'est aussi le meilleur pote de Gibus. Donc du coup, c'était un peu obligatoire de jouer avec eux. Pierre de coup. Et puis effectivement,
Après, il y a plein de projets qui vont arriver par la suite, quoi, mais pour la sortie de l'album, on annoncera une bonne grosse tournée par la suite, quoi, dans quelques mois. Voilà. L'album, il est pour quand, alors ? Alors, ça, il est plus ou moins fini de composer, là. Donc ensuite, le temps qu'on l'enregistre, le temps qu'on fasse aussi un clip, qu'on sorte tous nos visuels, je pense que d'ici septembre prochain, c'est la deadline qu'on s'est donnée. Pour l'instant, on essaie de pouvoir sortir ça en septembre et de pouvoir tourner en octobre. Donc c'est un peu ça le projet du moment. Oui. Pour l'EP, là c'est donc Manon Cornieux, qui est une amie à nous, qui est graphiste et qui vit à Lyon, qui a pu bosser sur cette pochette-là. Donc voilà, on lui a simplement donné quelques indications sur l'état d'esprit, sur le côté influence du Bayou et ce genre de choses-là. Assez marécageux, assez lourd en température. Donc voilà, on lui a simplement donné ce genre d'indication là, et elle s'est hyper bien débrouillée, de toute façon on connaissait déjà bien son travail, c'est vrai qu'elle avait quand même son petit univers déjà, donc elle a pu développer très bien, on trouve, sur cette pochette, dont on est très satisfait. Ouais. Déjà l'idée c'est quand même d'être sur un projet un peu plus global que juste un projet musical en fait, donc c'est pour ça qu'il y a pas longtemps Gibus a monté un atelier de sérigraphie, donc qui s'appelle La Vieille Main. Et le but, c'est de pouvoir proposer de la musique, mais aussi tout un univers autour de cette musique, quoi. Donc, c'est-à-dire que voilà, c'est le doom, et en tout cas la musique qu'on fait, et les directives, c'est quand même de chercher à créer quelque chose d'assez émotionnel, en fait, de plus émotionnel que purement technique et musical. Et du coup, c'est vrai que ça colle assez bien avec développer un univers graphique aussi. Le but, c'est aussi de pouvoir collaborer avec pas mal d'artistes, comme on avait pu l'initier pour notre pochette. Et donc développer pas mal de visuels qu'on pourra sortir aussi en sérigraphie, pour tout notre merchandising aussi. Et donc là, c'est aussi un peu le projet de l'album, c'est-à-dire qu'il y a quelques chansons qui vont être quand même assez longues. Le but, c'est de pouvoir sortir un visuel par chanson. Pour avoir toute cette illustration de notre musique aussi de cette manière-là. Et donc après, dans la même optique, on travaille aussi sur la vidéo aussi, dans l'idée de pouvoir sortir un clip un peu digne de ce nom d'ici quelques temps aussi. Donc voilà, on essaie d'avoir une démarche un peu plus globale que juste musicale en fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est un peu sur plein de projets en même temps, un peu tous les fronts, et que voilà, tout devrait sortir d'ici quelques mois. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a fini par se tourner vers le doom en fait, parce que ça fait bien peut-être une dizaine d'années qu'on joue tous dans nos groupes respectifs et qu'on a tous joué dans plein de styles, que ce soit du hardcore, que ce soit du death metal, des choses comme ça. Et c'est vrai que tous ces styles-là, à notre goût, sont hyper cool, mais souffrent un peu de devoir rester dans les carcans, quoi. Et c'est aussi un peu pour ça qu'on s'est tourné vers le doom, parce qu'on s'est, enfin, en tout cas à notre goût, c'est un peu le style de metal qui est peut-être le plus ouvert artistiquement, quoi. Donc c'est quelque chose qui nous permet justement d'avoir une démarche un peu plus globale que justement musicale. C'est vrai que quand on va à des festivals de doom ou ce genre de choses là, on se rend compte que chaque groupe développe son univers, chaque groupe fait du doom, mais finalement tous les groupes sont hyper différemment, ils ont tous leur identité. Et c'est un peu ça qu'on recherche par réussir à trouver à force de bosser notre petite patte à nous. Donc c'est ça le but, quoi. We'll be right back.
Thank you.